Ce samedi 14 décembre avait lieu à Pont-sur-Yonne un conte musical « Les musiciens de Brême » joué en musique par l'Orchestre d'harmonie de Pont-sur-Yonne et raconté par Didier Veil. Précédé dans la même journée par le marché de Noël de la ville, ce concert authentique a suscité l'attention de nombreuses personnes venues se divertir en musique en cette soirée de la mi-décembre. L'occasion pour petits et grands de passer une soirée rythmée au son de l'histoire et des instruments. Alors ce soir, l'Orchestre d'harmonie de Pont-sur-Yonne présente un conte musical qui s'intitule « Les musiciens de Brême ». Donc l'histoire est basée sur un récit des frères Grimm de 1818 et l'aventure donc, se fait à la fois en musique avec les musiciens de l'Orchestre d'harmonie et à travers les mots d'un conteur professionnel qui est Didier Veil, le directeur du théâtre municipal de Sens, mais également comédien et metteur en scène. Alors on va commencer par un tour du monde. Un tour du monde en musique, on va suivre les aventures de notre récitant qui entre dans l'impôt d'un des personnages de Jules Verne. Et ensuite, il va nous réciter, nous conter une histoire qu'il aura découverte pendant ce tour du monde, qui est donc les musiciens de Brême, quatre animaux qui vont traverser l'Europe pour... L'idée, c'est d'arriver à Brême, former un orchestre, intégrer l'orchestre d'harmonie de la ville. Et en fait, en chemin, ils vont s'installer dans une maison, ils vont créer leur propre orchestre, découvrir des instruments. Et là, aujourd'hui, on va pouvoir, avec tous les instruments que compose l'orchestre d'harmonie, imager, mettre en musique toute cette histoire. La musique était le principal thème du concert, que serait un conte musical sans un conteur pour nous faire voyager à travers des paysages différents? Une histoire, ça se raconte, et pour cela, Didier Veil nous explique son rôle dans ce spectacle envoûtant. J'aime bien aussi ces projets qui mélangent à la fois le théâtre, l'art du récitant et du narrateur et la musique. Donc c'est et j'aime bien aussi, je le disais tout à l'heure, j'aime bien aussi que les amateurs et les professionnels se retrouvent. C'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué moi-même et lorsque j'y suis associé, c'est toujours un vrai plaisir. Il s'agit avant tout d'un conte de Noël et je crois que le conte est effectivement, on pourrait presque dire l'inverse, voyez-vous, c'est-à-dire se dire est-ce que ce conte-là n'est finalement, est-ce que c'est pas strictement destiné aux petits, ce que je ne crois pas. Et Vincent et l'Orchestre d'harmonie de Pont-sur-Yonne l'a choisi pour cette raison-là, c'est-à-dire que ça peut être reçu à tout niveau, c'est-à-dire que les enfants peuvent le recevoir comme un vrai petit conte, un vrai conte de dessin animé presque, et puis les adultes y voir peut-être d'autres choses ou se laisser porter aussi par leur esprit d'enfance, tout simplement, qui, je l'espère, peut subsister encore longtemps chez des adultes et à toute génération. Après un concert qui aura duré environ 1h15, les personnes présentes sont ressorties de la salle avec des étoiles plein les yeux. Que ce soit petite ou grande personne, ce concert tout public était bien accueilli de tous. J'ai adoré. Trop super. C'est le meilleur spectacle. Bah écoutez, en concurrence avec le concours des Miss France, on a passé un spectacle phénoménal. C'était un orchestre qui se développe depuis quelques années et beaucoup d'énergie, un spectacle vif, très tonique. J'ai passé une soirée phénoménale et très, très excitante et très intéressante. C'est donc avec passion que musiciens, conteurs ou encore chefs d'orchestre ont présenté ce spectacle au public présent. L'assurance de passer une bonne soirée. Qui sait si l'année prochaine une nouvelle histoire pourrait voir le jour pour le plus grand plaisir de tous ?